Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Bah nous on est fatigués. On est fatigués, qu'est-ce qu'il y a ma petite doudouce? Ça va? Vous avez le bonjour de petite doudouce? Madame Caca, on s'en rappelle. Vous avez le bonjour du petit Mumu. Et mon bonjour, et Pidi qui se prépare là-haut. J'ai fait tout un pataquès hier pour avoir un flow, un petit flow violet. Sauf que, un truc que j'ai pas pensé, le pantalon il est ultra fin. Et être en t-shirt, j'avoue, j'ai pas eu la déterre. Il me fallait un truc épais. Du coup, bon bah... Jour numéro 23, avant-dernier jour, j'espère qu'on va bien s'amuser aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Avant toute chose, on n'oublie pas, les petits pouces, les abonnements, les commentaires, c'est parti. Ah mais regardez comment ça copie hein. Mais en fait les loulous, je galère à m'habiller et on n'achète pas forcément des habits de grossesse parce que ça dure 9 mois. J'en ai quelques-uns mais ils sont lavés. J'étais habillée en robe ample pour être tranquille. Levi m'a dit Pide, on va faire des épreuves. T'étais pas en robe ample, t'étais en soirée. Non, n'importe quoi. Si, t'étais en tenue de gala. Les loulous, c'était une robe pull. Pour que je sois à l'aise. Tu descendais aux épaules comme ça, genre en mode comme ça. Alors que Michou il m'a dit aujourd'hui on va faire des épreuves. Donc il faut être... Du coup, bah, matché avec Levi. Ouais. Mais c'est parce que bah, Baby commence à prendre de la place. Mais là, c'est bien, c'est qu'on voit pas. Enfin, ouais, j'avoue, on voit pas trop. Je suis tranquille, là. Ouais, là, t'es tranquille. Mais des suites larges, ça te va bien parce que bah, t'es tranquille dedans. Ouais, c'est vraiment vrai, je suis totalement d'accord. Et vu que c'est large, ça fait, ouais. Fait un peu bombé. J'ai l'impression que je suis en train de faire un bloc des croutons. On va en vacances. Ça va, on va en vacances ouais, à Paris. C'est vrai qu'il est tôt, là. Tu sais que nous, on a la galère qu'on a eue. On a plus d'eau chaude, on a dû se laver à la casserole et à l'eau froide. Ah ouais, oh non, comme à l'ancienne. Je peux te dire que ça réveille d'entrée de jeu. Ça va quoi? Bah ouais, ça va. Bon petit peu, réveil du matin quoi. Un peu fatigué quoi. Mais attends, mais tu fais quoi là? Je me fais un chocolat. Mais tu sais qu'elle est droguée au chocolat chaud. C'est pas que le chocolat chaud en ce moment. Bah c'est vrai qu'avant j'y vais pas. Mais tu prends ça dans la voiture? Bah ouais. Ah mais ça me donne envie de vomir, rien d'y penser, je te jure. Putain, ça rend pas. Oh t'es dégoûté. Après, boîte de froid, hein, c'est le petit photo. Il rentre pas. Je suis dégueu. Mais qui tu branles? Moi j'ai niqué une jambe ce matin. Ouais, bon. Sérieux? Ah, bienvenue au club. Moi j'étais pas réveillé et vous me trottoir. Ah, mais super matin. Et par contre, on est d'accord, le temps ça a plus rien comprendre. Ouais. J'ai regardé là, il fait 11 degrés, mais 5. Mais moi je me suis habillée genre en mode. Mais Paris. Mais Paris, je viens de sortir dehors pour avancer la voiture. 11 non, degrés, mais 11 5. Degrés, c'est moi, c'est pour ça que je vais comme ça à tout ouais, moment. Parce qu'il pleut, donc il fait chaud. Mais c'est incroyable, il faisait moins 6 la semaine dernière. Ouais, je vais manger ça. T'imagines, moins 6, il y a quand même... Bah du coup, il y a quasi 20 degrés de différence. Ouais, ouais. C'est ouf, hein. Bon bah, gros, what the fuck. À tout à l'heure. On vous aime, Tiff. Tu prends soin de la maison. Toi aussi, Buggy. Et Buggy, bon bah, tu dors. Bisous, Buggy. 6, il était moyen, 27, il était... Derrière, ça parle de gros ventre. Non, mais attends, on parle de grosse voiture. Ouais, ça pendant 4 heures. Et alors, ta nouvelle voiture, Bouzy? Trop bien. Ah, ça fait LR Cobra, j'ai l'impression que t'es un peu Samy. Bah ça fait film allemand des années 90 quoi. Ouais. Du coup t'as spoil, tu l'as déjà montré? Mais oui. Oh du coup tu spoil un peu? Ah oui, j'avoue que tu spoil. Ah bah merci franchement. Non mais ça fait plaisir vous y. Ouais, ça te fait plaisir. Tu me donnes l'exu à chaque fois. Non vas-y, tant que je dis pas le modèle ça va. Ok, mais voilà, LR Cobra, c'est juste l'indice. Voilà. Pronostic combien? Ici c'est 2,20. Non mais 1,91. 1,83. On a connu pire quoi. Petite heure de repos, vous savez ce que ça veut dire. Petite bouffe, surtout qu'on n'a pas déjeuné. Toi, t'as pris quoi, mon petit Bouzy? Alors moi, j'ai changé de yop. J'ai voulu tester les Danonino. Bah attends, mais c'est incroyable. Parce que moi, je prends toujours des yop et là... Montre-le à Pidi. Elle va taper une barre. Danonino. Ah, t'as pris ça? T'as vu? Bon aussi, un Danonino. Danonino. On les a pas vus. Vous êtes team yop ou team Danonino? Ou petit filoutube? Petit filoutube. Petit filoutube. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tube? Avec la grossesse, je suis en mode Danonino. Ouais, t'as pris ça aussi? C'est comme les princes en fait. C'est, c'est mes chocos d'air d'orpo. J'ai le droit de les prendre que sur les air d'orpo. Ah ouais? Ok, la chocopose. Ouais. Regarde okay. Ce rapo, elle a pris. T'as pris quoi toi? Dégueulasse, incroyable. Oh, ça dégoûte. Dégage. Ah, c'est les vieilles gommes de merde. Oh, c'est des vieilles gommes. Les vieilles gommes, goût de plaque. Ah ouais, j'avoue. Ça fait un peu mamie. Ah ouais, ça fait mamie. Ça fait très mamie. Ça fait très très mamie. Ah, comme tu t'es genre un peu doux. T'as pris que ça? Ouais, et une pompote. Puis t'as pris quoi toi? Mikado et pompote. Ok. Moi je suis plus salé. J'ai pris un sandwich rosette
Et j'ai pris un truc qui m'a intrigué, c'est des saucissons cœur raclette. Goûte en s'il te plaît. Mais bien sûr, je vais en goûter, frère. Si je l'achetais, c'est pour en goûter. Saucissons cœur raclette, les amis. Mmh. Mais c'est excellent. Ah ouais. C'est excellent. J'ai envie de goûter juste pour voir. Ah ouais, non, c'est pas vite tenté. Saucisson. Saucisson cœur raclette. Arrête, c'est vite tenté ça, non? Excellent. Mais Val. Et vous parlez de quoi là derrière? Excellent. C'est pas les vite teintés que t'as? C'est trop bon, non, c'est des vite teintés, non. Ah. Si, c'est teinté, mais à 20%. Genre. C'est semi-teinté quoi. Tu leur ai fait des gros doigts. À qui? Ah bah, je pensais qu'ils me voyaient pas. Allez, les enfants, tout le monde descend. Wesh, ma petite gueule. Tu nous présentes ta nouvelle ça maison? Ça va? Ah, frérot, là, c'est ma villa de luxe. Frérot, tu vas voir, il y a une déco de. Mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Bon, on va passer le nouvel an là. Nouvelle villa à 4 millions d'euros. Ah ouais. Mec, je pense que. Ah, on va passer le nouvel an ici, c'est ça? Ouais, on passe le nouvel an là. Mais on va faire une intro. On va faire une intro un peu scénarisée comme si j'étais rabattant dans le canapé. L'odeur. Mais vous allez voir, c'est en mode nouvel an, lendemain de soirée, tout. Oh, regarde, y'a quoi, Mousi? Oh, je suis mort. Il y a des vrais trucs. Il y a un jeu qu'on va devoir faire, on va enlever toute la déco parce que si on casse des trucs, frérot. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, non, mais ça va... Ah ouais, ça va être mini-jeu là. Ouais, ça va être vraiment que des mini-jeux. C'est vraiment thème nouvel en soirée. Ah ouais. On s'amuse quoi. Ouais. En vrai, c'est une dinguerie. Excellent, excellent. Bah, c'est cool. Ouais, je pense que. Hein? Ça va ou quoi? Bah, t'es obligé, c'est toi qui avais fermé ton bureau, va. Ah, bah, c'est toi qui as mis ton ordi. Dinguerie, ah, ouais, non, mais ça a fait méga soirée ici. T'as, t'as vu ou pas? Mais t'es là depuis combien de temps? Mais en fait, on est venu hier soir, on s'est mis une race et on s'est dit, voilà, c'est bon, on a le déco. Excellent. Mais c'est quoi ça, frère? Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, mais vous allez voir, c'est des jeux. J'adore, je suis venu pour ça. Ils sont pas mal les dessins de Michou, hein. Franchement, attends, un petit faco cher. Picasso. C'est un Picasso. C'est Picasso, ouais. Picasso. Je pense que c'est plus le Citroën Picasso que. Je pense que c'est tous des vrais Picasso. Oh, ouais. Mais ça se trouve, c'est de l'art, tu sais, de l'art qu'on ne comprend pas. Bah, si, c'est un cheval, une poule. Ouais, mais il y a un truc derrière. Ah, ouais, mais ça, c'est des figurines Cos. Ça, regarde là. Ah, là, ça. Moi, je m'inspire un petit peu. Ah, ouais. Ah, tu m'as. Arrête, arrête. Ah, tu m'as. Mais là, on dirait que j'ai mangé de la merde plutôt, non? Ah, ouais, tu m'as dégueulé. Merde. Là t'es gueule de bois alors, là tu viens de faire la fête là. Je mets le gâteau sur là toi. Je viens de faire la fête. Mais je veux pas savoir quel là, je fait, arrête, arrête, ça me dégoûte. Vas-y, dézoome. Ça a changé les tournages de Michou là. C'est plus les tournages en Corse, les Jeux Olympiques hein. Là il y a du monde hein. Bon. Coucou. C'est parti hein. On a les équipes de fête. Eh, hey, on a les équipes de fête. De fête pour les fêtes. Voilà, jour de fête. Pas mal, t'as parce que là, c'est une vidéo pour... Les fêtes. Les fêtes, oui, nouvel an. Nouvel an. Oh. Ouais. Yuki, elle est où? Ah, Yuki, bah elle est chez vous. Là, elle est en best life dans ta maison, ouais. Ouais, elle kiffe. Le jardin et tout. Franchement, elle est trop bien. Elle aime trop, hein. Ouais. Mais elle creuse des trous. Ah bah, ah, on a été témoin de ça, ouais. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est vrai voilà. Qu'on l'a déjà nettoyé. Elle a pas changé. Là, son tournage, ce qui me fait peur, c'est qu'elle dégage à chaque mini-jeu et joue un truc de diode électrique. Joue un truc de diode électrique, gros. Moi, je vous le dis, il y a 2-3 gages, j'ai vraiment pas envie de les faire. 2-3, c'est beaucoup, hein. Si toi, t'as... Attends, si c'est beaucoup, 2-3 gages. Il y a 5, c'est énorme. Il y en a même... Il y en a plein que PJ peut pas faire. En fait, bah top, moi y'a de la bouffe ici, tout va bien. Hein. Ils le font, vous le faites deux fois. Oh bah bon. Ouais, ouais. On négociera. Je suis dans la merde là. Ah. Le vie est grave dans la merde. Il est carrément dans la merde, il est pas vrai là. Je rêve, j'ai à peine le retourner que ça graille là. Bah oui. On avait faim là. Voilà. Même toi t'as faim non? Ouais, je vais manger. Mais gros, par contre, les scénarios du tournage. Ouais, je pense que quand vous allez voir le 1er janvier. Ok. Je pense que quand vous allez voir la vidéo, vous allez carrément croire que c'est fake. Ouais, ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Il se passe des trucs. Que des dingueries. Ouais. C'est incroyable. Apo, tu manges? J'aime pas. Hein? Comment ça, t'aimes pas? J'aime pas le veg bob. Ah. Ouais, mais moi, je suis un peu deg. On dirait des cheese et tout, on dirait que c'est deg. Trop bon. Egg en anglais, ça veut dire. Fin de tournage, ma gueule. Franchement, c'était incroyable, gros. Bah ouais, nous, on est de retour à ouais, Rennes. Franchement, là. C'est trop cool. Épuisant de fou. Épuisant. Gros, mine de rien, le tournage, les 6 heures de tournage. C'est un truc de fou. Pour une vidéo de 15 minutes. Elle va durer, ouais, je pense 18-20. Ouais. C'est un truc de fou, hein. Ouais. Et quand les gens, vous, quand vous allez voir la vidéo, vous allez vous dire, ouais, ils ont tourné ça en une heure. Ouais, ouais non. C'est vrai. En fait, pas du tout. Mais surtout, regardez toutes les personnes que ça implique, ouais, mine de rien. Gros, mine de rien, je me disais ça, là. Mais il y a trop de gens. Les tournages. Ça a changé de fou. Oui, oui. C'est tes tournages à toi. C'est en 2022 que ça a vraiment évolué ouais. Pour moi. Ah bah, on l'a parce vu. Que... Mais en fait, je m'en suis rendu compte quand je vous ai invité. Je me suis dit, c'est quand la dernière fois qu'on a tourné et tout. Et je me suis dit, mais choqué là. Ouais.
J'ai l'impression qu'on tourne des films. Ouais, bah nous on était habitués à tu poses ta cam. Ouais, tu parles. Chacun sa cam tranquille. C'est ça, ouais, c'est ça. Vrai, hein. Ah, ça évolue, ça mais évolue. Mais les tournages comme ça, c'est cool aussi. Hein. Ouais, ça change. Les cache-cache et tout. Mais même pour nous, là, les tournages avec toi, ça nous montre le côté professionnel. Même, ça permet d'être plus à l'aise. Parce que nous, on n'est pas du tout comme ça. Ça tu aide, vois. Hein. Ouais, ça aide de fou. Hein. À moins au début, moi, j'avais du mal. Parce que tu vois, pour moi, c'est l'évolution logique de faire avec une grosse équipe et tout. Sauf que au début. Tu sais, il y a trois mecs qui sont là derrière toi, tu parles tout seul, t'es en mode... Ouais, t'es un peu stressé et tout. Ouais. Mais c'est aussi stressant parce que, justement, il y a les conditions. T'as vu, quand tu tournes chez toi, tranquille, avec une cam, tu peux te permettre... Ouais, frérot, viens, on tourne demain, là, j'ai la flemme. Ouais, j'avoue. Toi, t'es obligé, du coup. Là, gros, tu te réveilles le soir, tu vas te coucher, tu dis, ok, demain, j'ai assuré. Il y a tout ce monde-là qui est prêt, t'imagines. Et en plus, t'as intérêt d'assurer parce que, frère, il y a 15 personnes qui sont là, ils ont pris leur journée. Ouais. Faut que la vidéo soit bien. Je suis d'accord. Ouais, on fonce. Vas-y. Bon, bah les amis, c'est reparti pour un bon 3h30 de route. 3h? Ok. Et puis moi, je ferai ma petite dégustation, ça dépendra, j'arrive à quelle heure. Parce que j'ai un live ce soir avec Michou, justement. J'ai passé ma journée avec lui, en fait. On doit finir le jeu que je vous avais parlé de la prison, là, A Way Out. Qui est sur ma chaîne secondaire. N'hésitez pas. Non, on est en route. Apo, on te suit. Je l'ai pas moi l'adresse du parking. Ah merde. Il faut mieux que ce soit pas à Pau. Je crois que vous êtes arrivé de la gauche, hein, dans une ruelle déjà. Non ouais, dans la ruelle là. C'est merci. Putain, on arrive à 22h quasi, wesh. Putain. Vous êtes tous ready pour partir à l'aventure? Ouh, il y aura tout de suite. Ouais, j'étais à Wasson. C'est parti sur quoi derrière? Un Happy Meal. Un Big Mac. Happy Meal, Big Mac et toi, Pau? Double cheese. Double cheese et toi Je suis parti sur 9 nuggets et 6 nuggets. Normalement, il y a un cheeseburger simple aussi pour ah moi. Ah oui, c'était ça, Pidi, du coup. Ouais, je pensais qu'il m'avait mis un cheese en plus, tiens. Hein? Dans le filet. Vous voulez que je vous fasse une animation pendant que vous mangez? Ouais, vas-y. Ah non, mais... Ah non. Moi, quand j'ai une animation comme un animateur. Salut les loulous. Comment ça va? Alors, vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Bah vous êtes bien contents tous les deux. T'es bien contente toi Doudouce. Toi tu te dis cool, c'est l'heure de manger. Ça va mon ami? Ça va? Bah t'es hyper content toi aussi. Oh non 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 non. Bah oui mon loulou. Ils sont super contents hein. Bon les amis, j'en profite que je suis rentré. Parce que dans 10 minutes je dois partir en live avec Michou pour finir le jeu. Pour goûter le calendrier de l'Avent, numéro 23 de Régalouze. Bon mon petit loulou. Ça va? Allez, hop, 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 hop. Allez, hop, hop, hop. Attention. Mais c'est excellent. C'est aux couleurs des Régalouze aussi. Les croquis, mix de parfums. Un mariage innovant entre le petit sablé breton et le maxi cookie. Gaël Pâtisserie, offrant un mix de croquis, un goût identifiable par son subtil parfum. Attends, mais celui-là, fallait le louper, hein. Mais attends, non, 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 il vient d'être fait. Ah ouais? Attends, mais je rêve. Ça, c'est le poste de Douce. Je me dis, ça sent le cacou très fort, mec. Bien, attends, bah, il vient d'être fait. Attends, c'est qui a fait ça? Je viens de les sortir, hein. Donc, en gros, le temps qu'on rentre et qu'on les sort, il s'est passé 10 secondes. C'est Doudouce? Je t'ai dit, elle faisait mal tes airs. C'est Doudouce, ça? C'est Doudouce, ça, c'est pas mal tes airs, gros. La plus gros qu'elle. Putain, en plus, et Laetitia, elle les a sortis. C'est juste pour vous dire, allez vous en faire foutre. Bah ouais. C'est vraiment, allez vous faire foutre, vous la laissez là. Là, elle devient pas hôtel, mais. Mais on est d'accord. Elle devient. En fait, elle véhicule un message. Ouais, elle devient. Parce qu'aujourd'hui, il y a du monde qui passe à la maison, les amis. Parce que même quand on est là, elle fait ça. Ouais. Ouais. Et c'est depuis peut-être un mois. C'est vrai qu'elle pue. Pas, mais pas tous les jours, hein. Mais tant, comme si elle avait un message à nous véhiculer. Allez, on va goûter ça. C'est des petits sablés cookies, Pid. Ah bah c'est bien. Mais là, elle attend à la porte. Ouais, en mode... En mode, torchez-moi le cul. Ouais, ça a plus goût de sablé de cookies. C'est un petit gâteau maison. Tout mignon. C'est vraiment excellent, ça reprend la charte graphique qu'il y a sur la box d'hiver. Bon, vas-y l'équipe. Salut, Pat. Des zoubis. C'était cool et fatigant, putain. Vas-y, des gros bisous, hein, reposez-vous bien. Et en vrai, c'est trop stylé de commencer à montrer qu'on peut travailler avec des producteurs pour faire des emballages. Je suis pas choqué parce qu'en vrai, on a contacté plusieurs parce qu'on veut faire ça de plus en plus souvent. Et on a fait ça justement dans la box de décembre avec des chocolats. Jour numéro 23, aujourd'hui, nous allons manger le 1508. Ça s'appelle ça, le 1508. C'est le cousin du gruyère et du comté, car fabriqué
avec des cultures de gruyère. Ok. Bah écoutez, on va goûter ça. Ouais, j'avoue, on dirait à l'odeur du parmesan. Ça fait vraiment texture en plus parmesan, un peu sec et... Ça fait comme du vieux comté. Un mélange vraiment comté parmesan. Excellent. Ah ouais, il y a même un petit côté cristallisation à l'intérieur. Je viens de croquer sur un petit grain. Allez, rentrez les joues. Oui, ça va être peur de manger. Et bah, je pense sincèrement que sur les fromages à pâte dure, c'est mon préféré. Il change un peu, il n'y a pas le goût de tous les fromages à pâte dure qu'on a goûté. Pide, regarde les chocolats, c'est quoi pour aujourd'hui? Ah, oh, c'est des cœurs. C'est des petits cœurs. Tiens. C'est parti, let's go. On avait déjà goûté un cœur. Oh bah lui, on le connaît, hein. Ça fait rocher. Vu et revu et revu ouais, et revu. Vu et revu. C'est bon quand même. Hein. En vrai, c'est super bon. C'est un cœur praliné au gyandouja avec des petits bouts de nougatine. Ouais. J'ai l'impression qu'on a eu le même hier. Bah, mais attends, mais Mustang il est monté. Pourquoi? Pour aller voir si les invités, parce qu'il pensait qu'il y avait du monde. Donc il pense que les invités sont là-haut. Mais dégueulasse. Bah non, Tiff, ils sont partis. Mais ils sont partis, Tiff. Yeah. Mais ils sont où mes copains? Bah ils sont où mes copains? Bah ils sont partis, mon Tiff. Putain, Tiff. T'as plus de copains là. Tiff la connerie et bug Madame Caca. Hein. Une petite croûte pour Tiff? Hop 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 hop, il y en a un peu trop là. Bon, ce fut une dégustation courte, parce qu'aujourd'hui c'était vraiment axé sur le vlog. Et puis, bah je le savais, hein, qu'il n'y avait pas de recette aujourd'hui, j'avais regardé en avance. Jour numéro 23 pour Régalouze. Franchement, même si ça fait pas partie du goût, moi personnellement, je suis quand même content de voir l'emballage aux couleurs de Régalouze. Donc rien que pour ça, ok, ça va jouer un petit peu sur ma note, parce que, bah j'aime bien. Ça montre qu'on taffe aussi de notre côté, et que y a de belles choses à faire. Sinon, au niveau purement du goût, tu sens que c'est un bon sablé maison, beaucoup plus sablé que cookie pour le coup. La pomme, je l'ai pas trop senti, j'ai plus senti le beurre, le côté beurre du sablé, avec peut-être le caramel. Mais ça reste un très bon gâteau. Moi j'ai bien aimé, mais j'aurais peut-être voulu. Pourtant sentir... toi t'es pas de caramel du tout, hein. Ouais mais on le sent pas trop, j'ai plus senti moi, les fruits que le caramel. Moi j'ai plus senti le caramel en vrai. Et le beurre. Je mettrai un 8. Le fromage, mon préféré des derniers jours par rapport aux pâtes dures où j'ai mis que des 8 et tout, je mettrai un 9. Comme hier, franchement, fromage, bah quali de ouf. Ça fait plaisir de manger un petit fromage comme ça. Tu redécouvres un petit peu les saveurs que tu connais d'un fromage de ce style, mais avec un petit peu plus de poigne. Et je deviens un vrai expert. Hein. Et le chocolat, vu, revu. Très bon bah, chocolat, ça sent bien. Je préfère les cookies que le chocolat. Mais attends, c'est le même cookie, là? Bah ouais, t'as vu, c'est des autres. Ah, mais il y a plusieurs cookies dedans, en fait. Tu veux goûter celui-là? Bah moi, je l'ai pas goûté, celui-là. Je mais c'est vrai, il est différent. Bah lui, il est marron avec une pépite de chocolat. Ouais. Ah ouais, il est meilleur, celui-là. Ouais. Il est bon, hein. Bah il y a le chocolat, il est large meilleur. Ouais, c'est, il est bon. Ouais, il est sympa. Là, ça fait plus cookie pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Ah, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'il est écrit saveur mixte. Ah, peut-être que du coup, ils ont bah mis ouais. plusieurs de leur gamme. Mais ils étaient dans le fond. Excellent. Eh ben écoute, c'est quoi 8,5? Allez hop. Ouais, non, franchement, j'ai bien aimé. Et ouais, well, du coup, le chocolat, bon, un petit peu de déception. C'est bon, mais sans plus. Voilà, j'aurais ça. Mis 5. Oh, j'aurais mis 6. Ouais. Ennemi, 6,5. Parce qu'en vrai, ça reste quand même bon. C'est là, c'est parce qu'on est déçus. Mais 6,5, ce qui reste une très bonne note, les amis. Quelle journée de fou. On est parti ce matin. Ouais, il était quoi? Il était 7h. 7h. Et là. Merde. Et là, on rentre, il est 22h. Ça fait une grosse journée. Fatigué. Surtout ouais. Tournage de à partir de 11h jusqu'à 17h. 30. Surtout qu'on a tourné non-stop, on n'a pas eu de pause. Tu vois, tout à l'heure, je parlais avec Michou des tournages avec, bah, du coup, tous les personnes, les caméras, etc., la prod. Mais moi, je pourrais jamais, jamais avoir les épaules et m'orienter vers ce genre de contenu. Ça, ouais. Je pourrais jamais. Moi, j'aime tellement, c'est sortir ma cam, la poser sur la table. Si elle est comme ça de traviole, je m'en branle. Après, ça se voit qu'il kiffe de ouf. Hein, mais après, ouais, non, mais oui, on n'a pas du tout la même orientation de chaîne. Genre, et puis, de toute manière, on n'a pas du tout les mêmes objectifs sur YouTube. Oui, et puis même, genre, tu vois, il y avait tous les gars qui filmaient et tout, ils disaient, rapproche-toi pour faire un plan, ouais. Et réfléchis. C'est vrai que Michou, en vrai, maintenant, quand je le vois, il va donner des conseils
limite au cadreur, c'est leur métier, parce que ils commencent à avoir de l'XP, tu vois. Ils commencent à savoir que et quoi. Ah, j'aime bien faire ça, oh, on peut faire une transition comme ça. Après, les gars, bah, je vais mettre là, nanana. C'est bien parce qu'il sait que ça sera vraiment un rendu 100% comme il aime, tu vois. Ouais. Michou, il grandit vraiment dans ce monde-là, c'est mais ouf. Hein. Je trouve un gros tournage comme ça par mois ou quoi, c'est hyper intéressant. Parce que déjà, ça te permet de te professionnaliser de ouf. Bah, ça montre ce que tu sais faire. Ouais, et surtout d'être beaucoup plus à l'aise avec une équipe. Bah, franchement, respect parce que c'est du taf de fou malade. Et je te jure, moi, des fois, quand je me compare à ça, je suis en mode ah ouais, je suis. Ouais, moi, je suis de la merde, quoi. Je suis une merde, en fait. Ouais. Mais après, non, je pense qu'il n'y a pas à comparer. Mais c'est juste qu'on n'a pas le même style, ouais, en fait. C'est ça, c'est un style. Mais franchement, c'est hyper stylé. Moi, je suis méga fier de Michou, même d'Inox, hein, parce que c'est un peu pareil. Quand je les vois faire ce genre de projet, tout ça. Et moi, je me pose la question, c'est à 40 piges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tellement connaître de trucs, bah, ça va être incroyable. Ouais. Waouh! Non, mais c'était trop cool en tout cas. C'était super cool. Mon petit Mich, des gros bisous à toi. J'espère que la vidéo elle va être super cool et que vous allez l'adorer quand elle sortira. C'est le 1er janvier. Mais voili, voilou. Je vous fais des gros bisous, Pidi aussi. Oui, bisous. Pidi, toi, tu pars au lit? Moi, j'aurais bien voulu prendre un bain chaud, mais on n'a pas d'eau chaude. Putain, c'est vrai, on n'a pas d'eau chaude. Donc, je vais juste me débarbouiller à l'eau froide. Oh là là, c'est cauchemar. Et dormir, ouais. Et regardez peut-être un petit épisode de mercredi. Ah ouais, bah moi je vais finir mon jeu avec le mien, du coup là il doit m'attendre. Des gros bisous tout le monde, les petits pouces, les abonnements et commentaires.